Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'Orcana. Alors, troisième game, bleu-rouge contre mauve-rouge. Le bleu-rouge avait gagné le jet de dés, donc il a commencé. Il a gagné. Du coup, le mauve-rouge commence la deuxième et le mauve-rouge a gagné sur un Flynn. Un misplay du bleu-rouge hein, qui a pas gardé le Maui, qui a préféré la 6 ou 8. C'était peut-être un peu trop greedy. Est-ce qu'on garde double balai? Là est la question. Le bleu rouge, on l'a gardé Tala parce qu'on a typo. Et du coup, on a gardé Maui parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de lieux en face. On garde la maléfique pour ancrer, évidemment. Ici, on va juste garder le balai et le T3. On ne veut pas d'un deuxième balai. On veut vraiment le Flynn. Là, on a un deuxième typo, totalement inutile, hein, évidemment. Alors, on pioche une bagarre. Bon, dans le match-up, c'est pas ouf. Ça peut aller chercher Flaversham, mais hormis ça. On a deux typos. On a le truc des dragons, l'objet. Mais quasiment jamais joué. Soit on met Tala. Mais Tala, on va Tala le prochain tour de toute façon. C'est le principe de typo, hein. T2 typo, T3 Tala, T4 bleu lumière, hein. C'est toujours l'idéal. On a mime. Je me rends compte que c'était une erreur de poser la mime en ancre au tour d'avant. Bon, c'est un entraînement, donc je peux me permettre de retourner en arrière, hein. Et c'est ce que je vais faire, évidemment. Mais dans tous les cas, la mime était une erreur au T2. J'ai pas fait attention que j'avais pas de T2, en fait. Évidemment, le balai, on le remonte, hein. On va pas aller piocher avec. On veut une ancre, surtout, et on veut poser quelque chose. Alors là, on peut Tala. Faut poser une vision de l'avenir. Lucky Dime, hein, inutile en début de game. Hein. C'est toujours un ennui de le mettre en dessous parce qu'il n'y en a que deux dans le deck. Donc, on va pas l'or avec Tipo, hein, on ne va pas lui donner un trade gratuit. Est-ce que là on part sur un lieu? Le problème du lieu là à ce moment-là, c'est qu'il y a Tala Tipo. Donc c'est déjà 4 points de dégâts, le lieu est déjà moitié vie. Il suffit d'un Maui au prochain tour et le lieu n'aura absolument rien fait. Le problème, c'est que notre main est horrible. On va pas juste faire un balai au T3. Hein. Donc on va l'or. De plus, s'il veut gérer le monsieur mime avec sa Tala, ben, sa Tala ne tape pas dans le lieu. L'ancre Maui, hein, donc en face, tu te doutes qu'il a un deuxième Maui. Hein. Il n'y a aucune raison de ne pas faire le Maui. Hein. Maintenant, c'est savoir comment on tape. Ah, et je me rends compte en regardant le lieu maintenant qu'en fait je me suis complètement trompé, c'est le château. J'ai tellement cru, j'avais tellement la bibliothèque en tête que j'étais persuadé d'avoir posé la bibliothèque. Et je pense que je ne m'en rends même pas compte dans la partie tellement que je suis persuadé que c'est une bibliothèque, alors que la bibliothèque est dans ma main. On pose une chèvre, hein. Bon, c'est un body, tant pis pour le lieu. Sert à rien de mettre quelque chose dans la bibliothèque, de toute façon, ça va être tapé en premier. Hein. Ouais, je ne me rends même pas compte que c'est un château et pas une bibliothèque. C'est fou, hein. On est tellement habitué par certaines cartes. Alors, comment on peut faire là? On a deux biprep, donc c'est pas encore foutu. Bibliothèque inutile, hein, vu qu'il y a Maui sur le board. Donc là, j'hésite. Soit je fais un biprep pour gérer le Maui, ce qui est très cher en pétant la chèvre. Soit je vais piocher, mais est-ce que je vais piocher en chantant? Le problème de piocher comme ça à la dure, c'est qu'après, on ne joue plus rien. Après, le tour est fini parce qu'on n'a plus d'encre. Mais est-ce que je peux réellement me permettre de chanter mes amis de l'au-delà au lieu de l'or avec? Ou au lieu de garder la chèvre pour autre chose.
J'aurais pu l'orer avec la chèvre, mais elle meurt sur Maui, c'est ça qui est dommage. Alors que la chèvre n'est pas sensible à Sissou, n'est pas sensible à Médusa. Elle craint pas vraiment grand-chose. Et là, surtout, s'il avait une glace à l'eau ou deux, il trade avec Maui, il fait une glace à l'eau et je me retrouve à devoir retrade à Maui, à qui j'ai déjà donné trop de value. J'ai une Médusa. On va en créer Maui, malheureusement, pour pouvoir Médusa. Ça reste ennuyant, hein. Mais ça nous permet de sacrifier ce truc. Oui, j'avais oublié de l'or avec. Évidemment, il faut l'or avec avant. Là, j'hésite à l'or avec la chèvre. On va pas le faire, encore une fois, pour éviter le trade facile de Maui. Parce que ce qu'on veut, là, c'est du bounce pour remonter la chèvre, en fait. Hein. Bon, là, tour nul, hein, Lucky Dime, alors qu'on n'a pas de l'or sur le bord. Là. Bon, c'est d'as. On fait un balai et on va l'or avec les deux. Il en a marre d'attendre, il a quasi plus de cartes, il a fait un tour nul. Il faut qu'on avance. On va faire le terrain. Enfin, le lieu, pardon. Parce que s'il va chercher une bébête, il ne va pas chercher le terrain. S'il va chercher le terrain, il ne va pas chercher les bébêtes. Donc, à un moment donné, il est obligé de faire quelque chose. Mais il ne peut pas tout faire. Très bon top deck, Tamatoa, sauf qu'il n'y a pas d'objet. Là, il ne sert pas d'objet. C'est pas grave, on va jouer Sissou. Sissou va juste chercher le balai. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On tape sur le lieu ou les bestioles? Bah, sur le lieu, évidemment. Hein. On va pas lui redonner des cartes. La bagarre qui sert plus à rien depuis longtemps. On gagne une encre. Passe à 8. 8-0. Bon, de toute façon, le bleu-rouge qu'il est à 0 ou qu'il soit à 10, on s'en fout. Hein. Le bleu-rouge a une capacité de l'or en un tour incroyable. Et là, ben, on va être obligé de biprep. Hein. Passe à 10 et biprep. Hein. Et c'est très dommage parce que c'est la seule encrape qu'on a en main. On est obligé de mettre en encre la bibliothèque qu'on veut garder. Hein. Très bon top deck. Hein. On avait Tamatoa, on n'avait pas d'objet. On pioche la glace à l'eau. Bon, jackpot. Hein. On a en plus top deck le Flavor Charm. Bon, donc. Là, glace à l'eau, Flavor Charm, on pouvait pas avoir mieux. Hein. J'hésite à Flavor Charm ou Tamatoa. Parce que j'ai Lucky Dime. Donc j'hésite à Tamatoa, même si je récupère pas d'objet. Mais je l'or plus vite. Je réfléchissais à est-ce que ça vaut le coup de poser. Flavor Charm en encre, hein, on ne sait jamais, mais non. Parce qu'il est quand même à 12, hein, donc il faut quand même à un moment donné faire quelque chose. Là, je ne sais plus ce que je fais, mais à mon avis, ça va être biprep. Il nous manque des encres. Hein. Biprep, Chernabog, je pense que ça le plaît. Il faut ancrer malheureusement la chèvre, ça ennuie. Ah ben, on veut tellement pas ancrer la chèvre qu'en fait, on va juste biprep. Là, je prends 4 encres. Flavor Charm est là. Bah. J'hésitais à garder la glace à l'eau pour la réduction de dégâts. Naze. 6 sous, inutile. On va la poser, hein, histoire de. On va faire le jeu vol, pardon. On va poser la 6 sous, histoire d'avoir une mini présence. Il faut bien jouer quelque chose à un moment donné. Hein. On va commencer à l'or seulement. Là, le mauve rouge est pas si mal. 13 l'or, c'est peu. Hein. Je serais plus à l'aise avec 15, 16. 13, ça reste encore loin, hein, juste avec un lieu.
J'hésite à Chernabog. Non, je pense qu'on doit Médusa sur. Ah ben non, on a 6 sous, j'avais oublié. On top deck la seule 6 sous du deck. Qui là est génial. Hein. Gérer le Flavor Charm alors qu'il est en top deck. Il top deck un typo. Catastrophe, hein. Il sait rien faire. Hein. Je pense que le mieux est quand même de jouer le typo pour pouvoir l'orer quand même et aller chercher le lieu. N'a pas trop le choix. Hein. Bon là, c'est jackpot. Hein. On est à 17 avec la 6 sous si elle l'or. On a toujours le lieu. On a 4 cartes en main, elle en a 0. On peut faire une chèvre et c'est fini. Hein. On ne va pas faire la chèvre, on va plutôt poser le balai. Est-ce que je fais la chèvre ensuite? Non, je fais le lapin pour aller piocher. Ce qu'on veut, c'est. Le seul plan où on perd, là, c'est qu'on pose la chèvre et que lui, il fasse Tamatoa, objet, 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 qu'il or avec Lucky Dime et qu'il nous tue en un tour ou deux, et qu'on finisse à 19 l'or. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut avec la chèvre? Il ne faut pas lui donner l'information qu'on a la chèvre, déjà, premièrement. Et deuxièmement. Il faut qu'on ait un bounce avec la chèvre. La mima 3, la mima 2, peu importe. Là, c'est une concession du bleu-rouge, on voit qu'on n'a plus rien à faire, hein, donc c'est foutu. Hein.